résumé vous est proposé par Heineken. Et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Perisic, réaction allemande immédiatement avec ce ballon pour Müller, magnifique, Müller, Lewandowski, la frappe et le but. Quelle action allemande, Thomas Müller, c'est un véritable bijou ce but dans sa conception. Et les Allemands qui répondent à l'occasion catalane et qui ouvrent le score, c'est 0-1, c'est incroyable. Attention à ce ballon. Ouais, ballon long de l'anglais avec Alba pour Suarez. Non, à la barre, dans son propre but. Égalisation avec ce CSC d'Alaba qui a un petit sourire en coin là. Mais une nouvelle fois, hein, via un flanc totalement libre dans le camp d'en face. Alba pour Alaba, il n'y a qu'une lettre de différence et ça fait un but partout. Suarez demande le ballon dans les pieds, il est tout seul, c'est vrai qu'il s'était fait un petit peu oublier. Oh magnifique Suarez du bout du pied. Il va se heurter à la poitrine immense bien sûr de Neuer. Messi. Oh c'est un bon ballon sur le poteau finalement parce que personne ne le touche avec 4 joueurs du FC Barcelone. Oh, mais dites donc, franchement incroyable, incroyable, surtout de ne pas l'avoir touché ce ballon j'ai envie de dire. Ah, il suffisait de l'effleurer, bah, oui. J'avais l'impression. Oui. Ouh, c'est long ça, oui, oui, oui. Sergio Roberto avec Gnabry, dédoublement. Perisic, magnifique. Perisic maintenant, la frappe. Oh, quel but! Malgré la petite touchette de Ter Stegen, une erreur, une perte de balle. Et là, vous payez l'addition immédiatement. Hein. Perisic pour faire un 2. Ça leur pendait au nez, hein. Vincenzo. Il y avait déjà eu l'une ou l'autre petite voilà, hésitation. Perisic. L'accélération du Croate, elle est belle. Ouh, la main n'est pas assez ferme, mais il a quand même un réflexe, la Ter Stegen. Et là, ils sont dans le dur, les Catalans, avec l'accélération de Gnabry, la frappe en même temps. 1-3. Quelle première mi-temps, mesdames et messieurs. On les disait dos au mur pour le moment, les Catalans, on les disait dans le dur. Confirmation avec le troisième but allemand déjà. Perisic, c'est long, mais il y a quand même un Bavard qui touche là, c'était Gnabry, Kimmich, fort devant le but, c'est la correction, 1-4, Setién n'en croit pas ses yeux, son Barça se fait démolir littéralement par le Bayern Munich. Magnifique le contrôle en extension là de Jordi Alba. Suarez, ça doit être maintenant, ça doit être maintenant. Superbe Luis Suarez pour redonner espoir au Barça. 4-2, lui qui n'avait plus marqué hors du Camp Nou en Ligue des Champions depuis 5 ans. On efface tout ça des tablettes. Ça fait un petit tour qu'on n'a plus vu Messi toucher le ballon. Oui, c'est vrai. On a un festival de Davis et de son pied gauche. Ah, il va encore y aller. Oh là 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 là. Davis avec ce petit ballon en retrait. Mais c'est exceptionnel. Alphonso Davis, mesdames et messieurs, c'est du grand art. C'est la sensation européenne cette saison-ci, ce joueur-là, qu'on a littéralement découvert, qui a littéralement explosé, comme il a explosé à lui tout seul le flanc droit du FC Barcelone. Lewandowski. Il n'avait pas encore inscrit son petit but sur un assist de Coutinho. 6-2. Un septième. Oh, Coutinho. Oh oui. 7-2.
Brésil-Allemagne 2014, on y est. Hein. Bayern-Barça 2020. L'humiliation suprême pour Lionel Messi. Attention, la maison. Oh là là, Coutinho, mais c'est pas possible. Heureusement pour le Barça, ce match-là va se terminer dans quelques minutes. Ce résumé vous a été proposé par Heineken et Mastercard, sponsor de l'UEFA Champions League.